tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Alors je parle pas trop fort parce qu'il y a mon copain qui est en train de dormir. Il est actuellement 8h17, vous ne verrez rien, super. Nous sommes le 1er décembre, ça y est, c'est parti pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. Je suis super contente. Donc je vais aller à la manucure ce matin, j'ai rendez-vous à 10h. Donc je vais partir vers 9h environ. Parce que là c'est plus possible, mes ongles ont craqué de partout. Faut vraiment que je change, ça commence même à me faire mal. Là je me suis fait mal et tout, enfin bref. Une catastrophe. Donc là je suis en train de prendre mon petit déjeuner avec ma petite tasse Birdie qui boit. Donc le programme d'aujourd'hui. Donc je dois aller à la manucure, je dois aller déposer tous les colis des ventes Vinted que j'ai faites. Il y en a énormément, j'ai peur qu'on me refuse tous mes colis. Ça va être un peu chiant parce que j'ai pas mal de choses à faire, donc je dois aller à Relais Colis, je dois aller à La Poste et je dois aller à Mondial Relais. Ensuite je dois aller faire des petites courses parce que ce soir il y a ma soeur qui vient manger raclette et j'ai rien du tout dans le frigo pour faire raclette. Donc je vais acheter ça à Lidl. Je dois aller aussi à Action pour chercher plein de choses qu'il me faut, genre du sopalin, du PQ, des sacs poubelles, des choses comme ça parce que je n'ai plus rien du tout. Surtout en termes de sacs poubelles parce que toutes les ventes Vinted, j'ai utilisé tous mes cartons et après j'ai utilisé mes sacs poubelles. J'en ai utilisé deux à chaque fois pour bien protéger, etc. Donc j'en ai plus du tout. Ensuite je dois faire un gâteau à la banane. Il faut que je fasse ça. Et il y avait autre chose à faire, mais je sais plus. Oui, ranger l'appartement parce que c'est une catastrophe là. Et faire plein de lessive. Parce qu'en fait là il y a mon chat qui a recommencé à pisser dans notre lit. Il a fait ça deux soirs de suite. Donc je n'avais plus de drap, je n'avais plus de couette, je n'avais plus rien. Donc tous les trucs là ils sont en train de sécher sur les portes. Et il y en a encore un petit peu des affaires que je dois laver qui sentent encore à pisse. Ça met du temps parce que déjà oui, je vous avais pas dit, j'ai plus de lessive, genre j'ai vidé toute ma lessive, donc c'était un peu galère et tout. Donc il y a mon copain qui est allé acheter de la lessive qui est hyper bien, je connaissais pas du tout, c'est l'arbre vert, d'habitude je prends ça en savon pour les mains, savon liquide vaisselle, et l'arbre vert ils ont fait un savon végétal et il sent super bon, franchement vraiment au top. Par contre il coûte assez cher quand même, il coûtait 8€ les 25 lavages. Donc bref, et on va peut-être aller à la Fnac aussi parce qu'on a acheté quelque chose à la Fnac et à ce qui paraît il est disponible en click and collect et pas mal de choses à faire aujourd'hui et je vais vous montrer tout ça en vlog. Bon, je sais pas si vous verrez quelque chose, j'ai mis un jean qui vient de chez Bershka, un pull qui vient de chez Pinky qui est hyper pilou pilou et j'ai mis un t-shirt en dessous parce qu'il me gratte ce pull. J'ai mis un t-shirt Noël avec un petit renne et tout, je trouve ça. Je trouve ça trop mignon. J'ai mis aussi un trait d'eyeliner marron. Genre c'est un Kiko que je suis en train de tester. Et après bah là pour tout ça j'ai rien fait parce qu'avec tout le masque et tout c'est une catastrophe. Et encore ça va beaucoup mieux mes boutons. Genre j'ai utilisé la gamme The Ordinary. Bah ça fait vachement de bien à ma peau. J'ai plus de kystes en fait. Donc ça c'est vachement bien. Enfin ça a vraiment diminué. Oh, fais pas tes griffes sur la chaise de papa. Oh, la chaise à 500€. Déjà t'as même pas à être sur la chaise. Hein. Non, 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 non. Je suis en train de faire ses griffes sur la chaise de papa. Bon, allez, j'y vais. Il est 9h-10. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est archi beau. Bon, nous sommes à côté de Kim Manucure. Et il y a un monde pas possible à Ikea, j'en ai de la queue quand même pas possible, je sais pas ce que les gens ils ont à Ikea là. Donc c'est chez eux que je vais, c'est Kim Manucure à Paris, 8ème. Parce que là les ongles c'est n'importe quoi là. Et c'est au fond d'une petite cour, c'est trop mignon. Donc je viens à l'instant de finir, c'est trop beau, j'ai fait un petit prune et tout. C'est trop trop beau, franchement le travail il est magnifique. Ça a duré une heure mais c'est trop beau. Oh, je reviens de la manucure, comme vous avez pu voir, c'est trop beau, c'est du prune et tout. J'aime trop. Elle a mis une heure pour me le faire. C'est moche. J'aime trop. C'est moche. J'ai fait du gel, j'ai pas fait de la résine parce que ça tient un peu mieux. La résine à chaque fois ça se casse avec moi. Donc le programme, je vais vous montrer tout ce bordel à mettre dans la voiture. Chez nous il y a des draps. C'est Halloween frère. Voilà, il y a des fantômes de partout. Voilà. Les draps ils sèchent sur les portes, on fait comme on peut. Et il y a encore une petite machine en plus là. Donc voilà, déjà ce qu'on doit mettre dans la voiture, j'en ai déjà amené un petit peu avant. Et il y en a quand même pas mal, entre les relais colis, les mondial relais, la poste aussi que je dois aller à la poste. Un ticket, bah oui. Oui, moi, guerre. Alors, il y a... Ouais, ticket. Donc je vais commencer à mettre tout ça. Donc là, il est midi 12, donc je vais manger un petit coup parce que j'ai super faim. Je suis envie de m'endormir, je suis à bout. Quand je me faisais faire les ongles, j'étais en train de m'endormir, vraiment, j'étais pou, HS. Mais alors, Prince, qu'est-ce que tu fous là? Petit con. Allez, rentre, dépêche-toi. Allez, rentre.
Prince rentre. Oh, regardez le bordel. Allez, rentre, dépêche-toi. Regardez tout ce qu'il y a, et encore il y en a dans le coffre. J'espère qu'ils vont m'accepter. T'imagines que tout ça c'était à toi, genre? Ouais. Tout ça c'était à moi. C'est des trucs que tu mettais pas et qui prenaient de la place dans le placard. Ouais. Bon, 26 mondial relais. Et on n'a pas fini, on doit faire relais colis et la poste. Donc là, je vais à la poste de Bijouif. Ce sera beaucoup plus simple, je pense. Ils sont un peu plus aimables que la poste où je vis. Et comme le colis il est gros, j'espère qu'ils vont pas me faire chier aussi avec le poids parce que je l'ai pas pesé. Genre, j'ai mis le poids le plus moyen, tu vois. Pour pas que la personne paye très très cher non plus, tu vois. On verra. À 14h30, la poste. On va aller à relais colis, j'irai à la poste de, bah, de là où on vit. Oh, les colis, c'est parti. On est en train de voir pour la télé, parce qu'on a acheté une télé. Et elle fait 70 pouces, et là c'est une 65. Bébé, c'est plus grand que celle-là? My god. Donc là on est en train de regarder s'il n'y avait pas une télé qui ressemble à la nôtre, pour voir ce que ça donne, parce qu'on l'a jamais vu en vrai. On a pris la barre de son, home cinéma et tout. Mais ça vous le verrez dans un prochain vlog. On va aller voir à la Fnac aujourd'hui à côté d'Action là, pour voir s'ils l'ont notre télé. Et donc nous ce qu'on prend maintenant comme les lessives, c'est genre de choses en fait. L'arbre vert, on a pris celle-là là, mais je sais pas. Là c'est 13 balles le kilo. Là c'est 4 balles. Mais ouais c'est pas mal, c'est pas très cher, en plus il est vachement bien. Non mais tu la prends. Et c'est sans javel. Tu la prends comme ça? Ah ouais, c'est le même prix au kilo. Je pensais que c'était 55 centimes de plus en prenant ça. Donc c'est une lessive écologique. Je sais pas si à Costco ils l'ont en gros format. Ouais, pour enfin, ils aiment bien l'arbre vert aussi. Ouais, c'est là où j'achète les petites vaisselles. Mais ouais, celle-là, franchement, je vous la conseille bien. Elle est super bien. Avant, je prenais Ariel. Parce que j'achète à Action, mais celle-là, elle est pas mal. Et pour tout ce qui est raclette, vous avez tellement de goût. J'avais la classique, vous avez sans croûte, vous avez des duos. Sans croûte, trois poivres, je vais y arriver. Il y a aussi ceux-là, le caractère là. Ouais, on fait pas mal de choses, genre fumée. On a pris deux fumées et un poivre. On a pris du fustil. Quelqu'un a déjà testé cette chose-là là. Des soufflés de petits pois. Saveur tomate, basilic, crème oignon. Si quelqu'un a déjà testé, dites-moi, hein. Ça a l'air intéressant. Bon, on a le temps de faire les courses donc. Et quand on a fini les courses, c'était 14h30. Donc on s'est dirigé directement dans la poste de Bijouif. Ça va, j'ai pas trop attendu longtemps. Donc tous les colis sont livrés, tous les colis sont envoyés. Au moins ça c'est fait. On a fait les courses, maintenant ce qui reste c'est aller à Action, chercher tout ce qu'il me faut. Peut-être aller... Ah, qui nous appelle? Belle maman. Allô maman? Bonjour, qu'est-ce que ça va? Il est gaga celui-là. Et après faut que j'aille à un autre magasin à côté de cuisine. Et on va aller à la Fnac aussi. Après dès qu'on a fini tout ça on va ranger la maison. Parce que on va pas accueillir ma soeur dans un bordel sans nom. Ouais. Bon, nous venons de rentrer. Il fait extrêmement noir hein, comme d'habitude. Oh là là, il est que 17h je crois hein. Je vais allumer mon sapin. Ouais. Alors, on vous a abandonné lâchement. On va vous montrer tout ce qu'on a. Enfin, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. Donc, on est allé à Thiers Village. Donc, Thiers Village est situé à Thiers, pour ceux qui connaissent. Donc, j'étais à Alice Delice et donc j'ai pris du glaçage. Ils font plein de choses pour. Alice Delice, c'est tout ce qui est en rapport avec la cuisine, avec la pâtisserie, ils vendent etc. Des produits un peu professionnels niveau cuisine, mais pour tout, les c'est tout ce qui est professionnel et tout. Et c'est vraiment abordable, entre guillemets, pour du professionnel. Je voulais du glaçage coloré pour mes petits biscuits de Noël, parce que je vais faire bientôt ça, des biscuits. Avec tout ce... Ah bah non, je vous ai pas montré. Mais j'ai acheté des emporte-pièces sur AliExpress. J'ai pris ça, en fait, des emporte-pièces pour faire des trucs 3D. Donc il y a un petit cerf, un petit renne, un. On appelle ça focus, un traîneau, un sapin, un bonhomme, etc. Donc j'ai pris ça sur AliExpress et j'ai aussi acheté ça sur AliExpress, donc un sapin, un bonhomme de neige, un flocon, etc. Et donc bah, je voulais faire du glaçage avec moi, donc j'ai acheté ces petites choses. Donc j'ai pris du glaçage en stylo parce que je suis plus précise en stylo, donc le vert j'en ai pris deux fois, j'ai pris deux fois du blanc, j'ai pris une fois du noir et une fois du rouge, j'en avais plus en rouge. Donc j'ai pris le dernier qui restait. Et après, monsieur, il veut des casseroles depuis X temps. Et donc j'en ai marre qu'il me dise hey, casserole. Je lui ai acheté un set de casseroles BK. Donc c'est de la marque professionnelle. En fait, c'est pour les cuisiniers professionnels. Et donc il y avait une bonne remise et tout. Franchement, c'était assez avantageux. C'est ça. C'est celle-ci, ouais. C'est ça. Regardez comme c'est beau. On voit le samar là. Ça, c'est mon doigt, ça.
vas-y dedans. Donc il y a 4 casseroles comme ça avec le manche. Le tout, ça coûtait 110 euros. Donc c'est pas très très cher pour du BK et de la qualité comme ça là. Le bas c'était 119. Il y a une promotion de 7,96%. Ouais. Et ils font moins 20% sur toutes les marques françaises. Donc vous avez aussi les casseroles françaises. Ça c'est pas français. Ouais, ça c'est pas français donc il n'y a pas eu. Donc vous avez toutes les casseroles tout français à moins 20%. Et donc moi j'ai pris ça pour lui. Donc c'est pour gaz, électrique, céramique, induction. Donc c'est garanti 25 ans. Et voilà, c'est ce qu'il voulait. En plus, ça prend vraiment pas trop de place hein, dans le. Ouais, en fait, ce qui est bien, c'est que le manche est détachable, donc ça fait pas de la merde. Et le manche, il est comme ça. Et le manche, c'est pas moche. Et quand tu prends les casseroles, ça te brûle pas la main. Ça, c'est vachement bien. Tu peux l'enlever, donc ça te chauffe. Comment il fait comme ça? Hop. Ah, c'est léger, hein. Et toi, tu fais comment? Ah, ouais, d'accord. De toute façon, c'est pas moi qui vais les utiliser, hein. Il va me faire à manger. Et c'est, on peut le laver au lave-vaisselle. Donc ça, c'est vraiment pratique parce que moi, les casseroles qu'on peut pas laver au lave-vaisselle, ça me gonfle vite fait. Et on a vu un monsieur, donc c'était Thomas, le vendeur. Franchement, hyper bien, il nous a super bien conseillé. Il connaît tout en termes de casseroles. Il savait la composition de la casserole et tout. Il savait ce qu'il fallait nous aiguiller. Genre, il était pas là pour nous vendre le produit le plus cher. Il était là pour nous vendre le produit qui nous convient. Donc ça, c'est vachement bien. C'est rare les vendeurs de nos jours comme ça. T'en pensais quoi de Thomas? Il était cool. Ouais, Thomas était cool. Donc t'allais à la Fnac pour aller chercher la télé, la barre de son, sinon on n'a pas pu. Elle est gigantesque, la télé, je l'ai vue en rayon là, elle est gigantesque. En plus le grain il est super bien parce que c'est pas de la haute définition, définition de fou, genre ça te fait pas mal aux yeux. C'est un grain assez fin donc ça va pas faire mal aux yeux. Un grain? De quoi tu parles? Oui, un grain, genre un grain. C'est pas genre des lumières hyper flash. Oui, bah le rétroéclairage. Très, très bien, la 3D, machin. Le rétroéclairage, il est un tout petit peu plus bas. Oui. Mais il est super bien. Et donc, si les gens qui nous ont dit, ouais, si la télé elle est trop grande pour la chambre et tout, si ça vous fait mal aux yeux, bah au pire, on changera avec celle qu'on a. Là, celle qu'on a, elle est un peu plus petite. Donc on changera si ça nous fait vraiment mal aux yeux, mais je pense. Oui, pas. On mettra la grande ici. Ouais. Et la petite, celle-là, là, dans la chambre. On mettra la chambre. Mais je préfère la grande dans la chambre. Ouais, ça. On est quand même resté plus d'une heure à Alice Delis. Hein. Ouais, on est vraiment resté assez longtemps parce qu'on nous a bien conseillé. Et en plus, on est allé à Action et je suis trop contente parce que j'ai trouvé enfin des grandes tasses en verre. J'en ai acheté une sur AliExpress mais je pense qu'elle va arriver pétée. Mais j'ai vu ça sur Action, je sais plus combien ça coûtait. Elles sont grandes hein. Elles sont hyper grandes et au moins on peut voir le café au lait, vous sur savez. Sur la vidéo ça fait archi grand genre. Ah ouais, bah ça fait la taille de ma main. Ça fait 15 cm. Ouais, mais en fait sur la vidéo on dirait que ça fait la taille de ta tête genre. Mais vraiment chaque tasse elle fait la taille de ta tête. Ah ouais. Bah elles sont trop belles donc on en a pris deux. Donc après on a fait des petites courses à Action, genre voilà du PQ. C'est okay. Ah oui, on a pris une planche à découper enfin. Oui, on a enfin une planche à découper qui est je ne sais où. Ouais, alors attention, fais gaffe aux fantômes. Les fantômes, ouais. Coucou Jean-Guy. Coucou Tanguy. Ah oui, j'ai pris des. Coucou Marie. Des aussi. Et coucou Sophie. Allez. J'ai pas vu, en plus je sais pas si elle est belle. C'est la planche Master Chef. Ah ouais? Ah ouais. Là. Signature. Mais c'est pas pour ça que je l'ai pris. Parce qu'elle était pas chère, 7 euros. Donc après voilà, on a pas pris grand chose, on a fait des petites courses. On a pris du PQ. Ouais. Oh le bordel, oh là. Ouais, faut qu'on rentre, ma soeur elle arrive. Ouais. Sunday, what you must do, ouais. Donc là, il y a ma soeur qui va arriver vers 20h30. Donc bon, chut, on va ranger tout l'appartement, j'en peux plus. Le robot va laver. Ouais. Parce que la flemme de le faire là. Et nous, on va essayer de ranger. Au secours. On vient un instant de mettre les draps sur le lit. Et Prince est en train de chier sur le lit, sur les nouveaux draps. Je dois encore refaire une lessive. J'en peux plus, moi, de ces trucs qui suspendent, de la lessive, de l'eau, d'électricité. Enfin, ça me saoule et pourtant, ça litière. Elle est plus que clean, en fait. Je suis à bout. On me dit que c'est souvent parce qu'il est pas stérilisé, sauf que c'est souvent pour les pipis. Mais là, il chie carrément dans le lit, quoi. Notre place, là où on dort. Un petit con. Oh, il me fait chier, vraiment. Alors, au début, on a pensé que c'était la lessive et tout. Pas du tout, on a changé de lessive, sans javel et tout, sans rien. Enfin, végétal, machin et tout, une bonne lessive. Non. Donc là, on a quasiment fini. Je vais vous montrer un peu tout ça. Donc déjà, je vous ai jamais montré l'entrée, mais avec ça, ça fait trop beau. Regardez, c'est trop mignon, j'aime trop cette composition. Donc ça, je l'ai bombé en or. De toute façon, vous avez déjà vu mon vlog normalement, je l'espère. Donc je vous ai tout montré tout ça et c'est trop trop beau. J'ai mis un petit sapin ici. Là, tout ça, c'était encombré. Il y avait plein de cartons, plein de choses. Là, c'est rangé. Il y a encore ça qui traîne en train de sécher. Les chiottes, elles ont été nettoyées. Oui, c'est ça ta litière, Prince. Oui, c'est ta litière. Il me fatigue.
Peut-être que je vais la laisser ouverte comme ça. Parce que d'habitude, il y a le cache. Donc je vais peut-être la laisser ouverte. Peut-être que ça va l'inciter à y aller. Mais tu me fatigues, Prince. Hein. Vraiment. Ensuite, la salle de bain, je l'ai faite. Donc j'ai tout nettoyé et tout. J'ai frotté et tout avec la brosse, la baignoire, parce qu'elle était un peu sale. Elle est encore un peu sale, mais j'y arrive pas en fait. J'arrive pas à bien la nettoyer. J'ai pas le bon produit ou j'ai pas assez d'huile de coude, sûrement. Cuisine, elle est quasiment faite. Le salon et tout, c'est fait. On a fait passer l'aspi un petit peu dans toute la pièce et j'ai envie de faire passer l'aspi dans tout l'appartement. Donc là, j'ai pas encore fini le bureau. C'est qui arrive? C'est Tata? À voir. Vas-y. Ouais. Allez. Étiquette, vas-y, bousille ses collants, vas-y, étiquette, ouais. Bon, vous pouvez le voir à ma tête que il est tard et que j'ai bien rigolé, donc j'ai plus de liner. Regardez ça, j'ai pleuré de rire. Ça fait du bien. Et donc là, il nous reste encore tout ça à ranger. Il est genre minuit 25, minuit 30. On a bien rigolé et tout, c'est sympa. Vous êtes toujours là, ils disent. Non, on n'était pas là. J'ai ouvert mes cases et tout. J'ai eu des petites choses. La lecture de quoi, en fait? Hop, des petites choses de My Muesli. J'ai eu un blush et un enlumineur de Natasha Denona. Je suis trop contente. Et une petite crème là, de Kiehl's. Ticket, elle a mangé son os toute la soirée. Là, c'est étouffé avec, même. Et regardez comment ça change de fou. Genre, il n'y a plus rien dans l'entrée. Parce que j'ai donné des trucs à ma soeur, tu vois. J'ai donné genre le carton du sapin. J'ai donné des trucs un peu de travaux et tout qu'il y avait là. Et là, ça... Ça change de fou. Regarde-moi ça, avant c'était encombré, mais vraiment comme jamais. Là c'est clean, c'est propre, c'est espacé. Vraiment c'est fou. Donc là maintenant faut qu'on range la cuisine. C'est encore le bordel. Donc voilà pour cette vidéo, pour ce vlog, pour cette journée du 1er décembre. Je sais pas quand est-ce que vous l'aurez. J'essaie de vous monter un maximum de vidéos. Je suis en zoom là, qu'est-ce qui se passe? J'essaie de vous monter un maximum de vidéos et tout pour que vous ayez pas mal de vidéos parce que je vais pas faire de vlogmas, c'est pas possible avec mes examens, c'est vraiment pas possible. Voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.